Bienvenue sur les plateaux de TV de Vie. Donc, nous venons juste de terminer la réunion de réveil qui s'est très bien passée. Donc, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre sœur qui s'appelle Flore. Bonjour Flore. Bonjour. Alors, tu as participé à la réunion de réveil. Peux-tu nous dire ce que tu as retenu durant cette réunion ? Tout simplement, c'était très bien. Et on sentait vraiment qu'il y avait le Saint-Esprit, Dieu, il était là, donc tout s'est bien passé, et puis il y a eu plein de délivrances, donc voilà. D'accord. Et concernant le message, qu'est-ce qui t'a interpellée aujourd'hui ? En fait, moi, j'ai connu votre émission à travers une amie qui vit à Hollande. Donc, j'ai regardé sur YouTube, et puis par rapport au message, j'avais pas tout à fait l'habitude d'entendre ce que j'avais entendu sur YouTube à travers le frère Shura. Donc, ma fille et moi, on est venus là cet après-midi, faire notre baptême et vraiment marcher vraiment dans la vérité, parce que là, c'était beaucoup de blabla et puis on était un peu dispersés. Donc, je suis ravie d'être là. Voilà. D'accord. Ouais. Et qu'attends-tu ? Qu'attends-tu du Seigneur ? Qu'est-ce que j'attends du Seigneur ? J'attends tout. Parce que, comme dit, il est le seul berger. Donc, c'est le Seigneur. Si je suis là déjà, c'est grâce au Seigneur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont malades, qui n'ont pas pu assister. Donc, moi, j'ai eu une grâce d'être là. Donc, tout ce que j'attends du Seigneur, qu'il m'accompagne, qu'il accompagne ma fille aussi dans sa croissance, dans ses études, dans ma famille, les personnes qui ne sont pas encore converties, qui donnent réellement leur vie au Seigneur aussi, mais pas dans les églises, payer la dîme, faire les offrandes très, très, très spéciales pour avoir un mari. Mais alors que Seigneur, il y a déjà un miracle. Donc, je ne sais même pas pourquoi. Franchement, on était vraiment aveuglés. Hein. C'est clair. Je te remercie beaucoup, ma sœur, et je te souhaite une très bonne journée. Je vous en prie.